Nouveau numéro du journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, à quelques jours du premier anniversaire de l'élection de François Hollande, on commence par les sondages qui montrent la dynamique du Front National. Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, selon l'Institut CSA, Marine Le Pen ferait 23% des voix, François Hollande 19% seulement. Votre réaction ? Il serait jospinisé en quelque c'est sorte. Ça. Oui. Ben oui, c'est la grande crainte qu'ils ont toujours eue, hein. Mais je crois que cette fois-ci, elle est plus fondée que jamais. Cela étant, le chiffre obtenu par M. Sarkozy doit tout de même être modéré par le fait qu'il est absent et les absents en politique sondagière ont toujours raison. Chacun sait. Et je crois que le vrai sondage, celui qui est important, c'est celui de Marine, car on sait que les sondages sont une photographie du moment, mais il y a tout de même l'évolution. Or, Marine part de 18, elle est à 23, donc elle est en montée rapide, et malgré les barrages que l'établissement essaye de dresser en face d'elle, en particulier le pauvre monsieur Bayrou, qui est gonflé comme une baudruche par les médias, il est présent partout alors qu'il n'a pratiquement pas de partisans à part lui-même. Bon, donc je suis assez optimiste sur l'évolution des sondages pour Marine Le Pen et le Front National. Je suis beaucoup moins optimiste en ce qui concerne, bien sûr, notre malheureux pays, aux prises avec une crise qui est, il faut le dire, le fruit des politiques qui ont été menées pendant 40 ans par l'UMP et par le PS. Alors, mercredi avait lieu le traditionnel défilé du 1er mai en l'honneur de Jeanne d'Arc et des travailleurs. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le défilé en lui-même ? Écoutez, je crois qu'il y avait un peu moins de monde que l'année dernière, il faut le reconnaître, mais il faut savoir aussi que c'est un mercredi, un jour de semaine, que beaucoup de gens du Front National sont des gens qui travaillent, quand ils en ont la chance, quand ils ont la chance d'avoir du travail, et quand ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas les moyens de venir en train ou en car de l'endroit où ils se trouvent. Donc c'était une belle manifestation, enthousiaste et chaleureuse, et telle que celle que nous avons précédemment faite tout au long, nous avons conservé la tradition de cette symbiose entre la patrie et le travail, entre les patriotes et les travailleurs, il y a là une idée qui est fondamentalement celle du Front National et qu'elle a conservée, qu'elle conservera je pense longtemps. Alors Marine Le Pen a ensuite tenu un discours aux côtés des secrétaires départementaux du mouvement et des membres du bureau exécutif. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours ? Oui, bien sûr, c'est le discours de Marine sur place de l'Opéra. Oui, c'est vrai que c'était les secrétaires départementaux qui cette année étaient invités à figurer sur la tribune. Ils étaient honorés en quelque sorte dans leur fonction. Eh bien, j'ai trouvé que le discours était enthousiasmant et très bien construit et par conséquent qu'il a porté, d'ailleurs je crois savoir que il y a eu dans la journée 300 adhésions directes par Internet. D'accord. C'est dire que, en tous les cas, les retombées médiatiques du discours de Marine ont été très bénéfiques pour le Front National. Alors diriez-vous que quand le Front National est aussi haut dans les sondages et aussi dynamique sur le terrain, il faut s'attendre ensuite à toutes les manipulations ? Ah ! Nous en avons connu un certain nombre, hein. Je voudrais rappeler les... même les plus célèbres, Mantes-la-Jolie, Carpentras, Le Détail et quelques autres comme celle-là, qui sont des manipulations de l'opinion, qui sont fabriquées à l'aide des leviers médiatiques, de façon à essayer de faire croire aux gens l'inverse de ce qui est la réalité. Alors c'est certain que l'établissement ne va pas rester comme ça, pantois, devant la montée de Marine Le Pen. Et il est évident qu'il faut s'attendre à un certain nombre de manipulations, peut-être de trahisons spectaculaires, on ne sait pas. Il faut s'attendre à tout, père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche, comme disait le jeune prince à Jean le Bon, son père. Alors Marine Le Pen était le week-end dernier dans le Var pour parler de la défense nationale. On sait que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Alors certaines mauvaises langues vous seront tentées de vous dire en quoi est-ce que c'est important aujourd'hui. Nous ne sommes pas menacés sur notre territoire. Mais bien sûr que si, nous sommes menacés. La guerre est un état dans lequel qui laisse de temps en temps percer quelques moments de paix. Donc si vis pacem parabellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Les pays qui n'ont pas fait l'effort nécessaire pour assurer leur défense, sont généralement vaincus, occupés, balayés et soumis. Donc je crois que
Marine, en allant à Toulon, chez avec l'amiral Vaquet, qui est notre représentant dans cette ville, conseiller municipal et conseiller régional, eh bien, a attiré l'attention de l'opinion sur les menaces qui pèsent sur la défense nationale, laquelle va voir réduite, je crois, de 19 000 le nombre l'effectif des soldats, enfin des militaires sous les drapeaux. Et là, nous descendons, me semble-t-il, moi, au-dessous, moi qui étais rapporteur du budget de la guerre pendant la guerre d'Algérie à l'Assemblée nationale, eh bien, nous descendons au-dessous de ce qui est nécessaire, car beaucoup de nos matériels sont anciens, sont obsolètes, et dans la mesure où on conserve l'arme nucléaire, maritimo-nucléaire, et sous-marin, lanceur d'engins et sous-marin d'attaque, intact, bien évidemment, on fait l'effort de réduction sur les autres éléments. Or, l'affaire du Mali a montré la nécessité qu'avait la France d'avoir des troupes à la fois bien entraînées, avec des matériels performants, et il y a là, en tous les cas, une barre au-dessous de laquelle il est impossible de descendre. Je crois même qu'on est au-dessous de la barre qui serait nécessaire, du budget nécessaire pour avoir une défense nationale crédible. Oui, rappelons que Marine Le Pen a proposé ce week-end d'insérer dans la Constitution un article interdisant que ce budget soit inférieur à 2%. À 2%, du pays. Ça me paraît être un minimum. 2% me paraît être la barre au-dessous duquel on ne devrait pas pouvoir descendre. Et si nous arrivons au pouvoir, eh bien nous rétablirons les budgets à la hauteur de 2%. Alors vous étiez, quant à vous, à Clermont-Ferrand le week-end dernier. Absolument, j'étais en Auvergne, devant un public d'une centaine de personnes, ce qui à Clermont-Ferrand n'était pas négligeable, avec un petit élément d'actualité intéressant. Il y avait là Antenne 2, je crois, qui était venue filmer des recrues récentes et un peu étonnantes pour eux. D'abord une dame socialiste qui a parfaitement bien expliqué les raisons pour lesquelles elle avait quitté le Parti Socialiste pour rejoindre le Front National, et un syndicaliste routier qui, lui, avait été exclu de son syndicat parce que membre du Front National. Et je pense qu'il y avait là la démonstration, justement, de la progression que nous faisons à nos marges, dans toutes les directions, aussi bien vers la droite que vers la gauche, sans se tromper tout de même, en sachant que une grande partie de ceux qui vont rejoindre le Front National viendront plutôt de la droite que de la gauche, mais nous sommes ouverts à tous les patriotes, quelles qu'aient été leurs options précédentes. Alors, le Parti Socialiste est à l'offensive contre le Front National, étant donné les bons résultats dans les sondages et la mobilisation du mouvement. On a vu à la télévision un responsable socialiste indiquer que si Marine Le Pen était élue, eh bien, ce serait la guerre civile, c'est M. Cambadélis. Ah oui, c'est ça. Il y aurait d'ailleurs, je crois que les palmiers prendraient feu, les rivières s'assécheraient, la mer reculerait, les montagnes trembleraient, ce serait l'apocalypse, n'est-ce pas ? Mais comme ce numéro-là, ils nous l'ont déjà fait à plusieurs reprises, personne n'y croit plus. Voilà. Et à force de crier au loup, le jour où le loup vient, eh bien, il n'y a plus personne pour soutenir ceux qui le criaient. Voilà. Alors, lundi, suite à la révélation du très bon sondage pour le Front National, Marine Le Pen débattait avec Pierre Moscovici, ministre socialiste. Il a indiqué vouloir faire venir en France des gens capables d'entreprendre. Est-ce qu'il n'y en a pas en France ? Oui, il nous a d'ailleurs rappelé qu'il avait quatre grands-parents étrangers. Ben, il doit quand même reconnaître que le droit que nous avons, nous, d'avoir quatre grands-parents français. Voilà. Cela étant, on ne lui en fait pas grief. Mais ce dont on lui fait grief, c'est son opinion politique et les responsabilités qu'il a au ministère des Finances, en désaccord d'ailleurs pratiquement quotidien avec d'autres ministres, car s'il faut bien dire la vérité, de plus en plus le gouvernement de M. Hollande ressemble à un grand foutoir. Alors sur l'entrepreneuriat, est-ce que ça vous inquiète de voir tous ces jeunes partir de France pour entreprendre ? Ah, ça m'inquiète et ça me désole, parce que c'est ça, je crois que c'est le fruit de l'enseignement des dernières décennies où on n'a pas appris aux jeunes Français ce que représentait réellement dans leur vie et dans leur avenir la patrie, le sol, la terre, la France. Et comme ils croient que le monde est un grand atelier général, eh bien ils pensent aller faire leur succès personnel ailleurs.
Alors moi, je crois qu'ils doivent être convaincus, il faut leur rappeler ce qu'ils doivent à la France et ce que la France a le droit d'attendre d'eux. Et en particulier, elle a le droit d'attendre d'eux qu'ils mettent leur talent à son service. C'est maintenant que la France a besoin de plus que jamais. Et par conséquent, non seulement je regrette, mais je dois dire que je condamne la tendance qui pousse les jeunes, un certain nombre de jeunes, pas tous, Dieu merci, à aller faire carrière à l'étranger sans espoir de retour. Et ça, c'est aussi le fruit, vous le disiez, de l'UMP, du Parti Socialiste, qui mène une politique anti-entrepreneur. Hein. Oui, anti-entrepreneur, encore qu'aujourd'hui, M. Hollande chante le los de l'entreprise, alors que nous avons été très longtemps les seuls à défendre l'entreprise privée et la nécessité d'avoir dans le pays des entrepreneurs, car ce sont eux qui créent les emplois, et ce sont les emplois qui créent la solidarité nationale. Alors, deux affaires. Alors, vous êtes venu avec un livre cette semaine. Ah, j'ai un livre, ça ne va pas vous étonner, qui s'appelle Reconquista ou Mort de l'Europe. C'est un livre très cruel sur la situation de l'islamisme en France. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il est très hard, si j'ose dire, puisqu'il propose la Reconquista, c'est-à-dire à la manière de l'Espagne, des rois d'Espagne, n'est-ce pas, qui avait refoulé l'islam hors d'Espagne, eh bien, il propose cette solution. Je dois dire qu'une chose m'a choqué, tout de même dans ce livre, qui est édité par Riposte Laïque, c'est qu'il semble n'avoir jamais entendu parler du Front National. Il dit « Tous les politiciens français ont été complices de l'islamisation de la France et de l'entrée massive des immigrés. » Eh bien non, Monsieur Marchand, non, pas du tout. Le Front National a été le seul, il faut bien le dire, mais à la pointe du combat pour défendre l'intégrité du territoire et du peuple français. Voilà. Enfin, il faut tout lire, et par conséquent, vous pouvez lire Reconquista ou La mort de l'Europe. On passe au pauvre. On se retrouve dans 15 jours, pas d'émission la semaine prochaine. À très bientôt, Jean-Marie. On fait des vacances. Nous aussi. Voilà, mais il ne faut pas oublier que ce sera l'anniversaire de Jeanne d'Arc la semaine prochaine. C'est vrai. À bientôt. Bonne journée.